Bon, mais présentez-vous déjà. Alors, je m'appelle Michael Piangerelli, je suis auteur, compositeur, interprète. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai commencé en tant que comédien et puis petit à petit, j'ai fait des spectacles qui intégraient de plus en plus de la musique, c'est-à-dire des spectacles burlesques avec des musiciens sur scène. Et petit à petit, je suis venu à plus en plus faire de la scène en musique. Et puis après, bah, j'ai un peu quitté mon groupe, enfin, ça s'est fait comme ça. Et puis j'avais cette idée depuis pas mal de temps, c'est-à-dire de travailler avec plusieurs machines, plusieurs guitares, et de faire un spectacle qui parlait d'éveil, et en ramenant beaucoup, que ce soit très riche au niveau du son. Voilà. Après, c'est quoi le message que vous avez dans vos... Vous avez des textes, vous composez, Oui, etc. je compose, je fais les arrangements, j'écris les textes et je scénarise et je conceptualise. Après, j'ai toute une équipe autour de moi, management, le producteur du label, etc. J'ai mon label qui est vraiment derrière moi, qui s'appelle Art Lab, qui est situé en Belgique, à Bruxelles. Et donc la question, en gros, c'était, Mais je me souviens plus. en gros, c'est Oui, le message que je raconte. le message, ouais. D'accord. En fait, alors je raconte l'histoire d'un petit farfadet qui s'appelle Badour, the vrai, the true Badour, tu vois, c'est un petit jeu de mots. Et en fait, en racontant l'histoire de ce petit farfadet, je fais part de mon propre éveil spirituel. Donc, c'est essentiellement axé là-dessus, quoi. Je parle de l'éveil et j'essaie vraiment de faire passer ce message. J'aimerais que ce texte puisse vraiment être un enseignement et que ça envoie de la joie. J'essaie vraiment d'envoyer de la joie, de la joie, de la joie. Et que ça puisse planter la petite graine en chacun d'entre nous qui entendent ce texte. Les novices, les amateurs, ceux qui connaissent tout ça ou même pas. Et comment se fait-il qu'un artiste comme vous, belgiquement connu, se retrouve à Sainte-Croix et en Ariège? J'ai décidé de quitter la ville pour me retrouver justement auprès de la nature et pour justement composer tout ça. Je voulais quitter et justement pour m'éveiller et pour ça il fallait que je quitte la ville et c'est comme ça que je suis arrivé ici dans le sud et j'y suis très bien. Pour moi c'est un peu le paradis et c'est comme ça que j'ai composé ici. Il y aurait peut-être une autre possibilité de vous revoir dans le coin. Je ne sais pas si vous avez une tournée de prévue Alors, quelque on est part. dessus. Il y a l'EP qui sort entre mars et mai. Bon, je crois que mars, on va être un peu trop juste. Là, on attend les nouvelles de l'attaché de presse. Mais normalement, avril-mai, l'EP devrait sortir. Il y a à partir de là une tournée qui se dessine pour l'été et qui va préparer l'arrivée de l'album pour l'année prochaine. Et là, c'est surtout l'année prochaine que la tournée un peu plus conséquente va commencer. Mais là, cette année, c'est une pré-tournée. Mais donc, les dates vont arriver et ça, ce sera à demander au manager qui s'appelle Tony Ferré et qui travaille aussi avec Jean-Louis, qui sont les managers du label et ceux qui travaillent là-dessus, qui travaillent très très bien d'ailleurs. Et là, je vois le manager se rapprocher. Il a quelque chose à rajouter, peut-être? Ah ben vous allez pouvoir bientôt retrouver Michael, faut le suivre sur ses réseaux sociaux pour avoir les informations. Hein. Troubadour. The Spirit Troubadour, Spirit Troubadour, The Vrai The Troubadour. Vous, de votre côté, Cherchez-le. vous repartez dans le nord? On repart dans le nord Et et ce on. jeune homme, reste dans le sud. C'est bien ça, oui, c'est bien Voilà, ça quoi. ok. Allez, Merci. vive le brouillard et Vive vive le le brouillard. soleil. Ouais. Ciao. Salut, merci. Bonsoir, ou plutôt bonjour, c'est l'univers qui vous parle. Nous sommes venus vous révéler les secrets du Spirit Troubadour, un petit voyageur du cosmos. Défenseur des étoiles qui se nomme Badour, ce vrai, ce true Badour, le vrai Badour, oui, le vrai, l'unique, l'authentique, c'est céleste et mystique. Une histoire incroyable, mes frères.
et en faisant vibrer sa basse, elle amorce le décollage. Thank you.
Que tout l'univers le suivait. Spirit, tu m'as pas tout.